Steve Ramoni qui est deuxième, il a refait, il s'est refait, il s'en fait. Steve, bravo. L'association sportive de la RFE 972 doit être super contente avec la mairie sportive également. Steve, qui avait l'année dernière, après, qui était à la fin de la course quand même. Alors là, nous, avec Steve, je ne sais pas, vous m'annoncez le troisième entre temps. Steve, je peux avoir le temps de Steve, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut m'emmener? Alors, emmenez-moi quelques bouteilles d'eau ici, s'il vous plaît. Adèle, on attend que Stelle, tu veux que j'appelle le médecin? Qui arrive, quel général aussi toujours, troisième, à quelques secondes, des traîtres de Stelle Romanic. Bravo Willy. Alors, Willy, j'attends que Stelle se remette. Alors Willy, je rappelle que Willy Malo est absent et qu'il revient, n'est-ce pas? Oui, je suis impressionné, mon Dieu. Je suis passé en 9e position sur le grand hier et là je me retrouve en 3e position, c'est magnifique. Bravo à vous. Alors Steve, est-ce que tu peux venir me rejoindre 2 secondes s'il te plaît? Viens, alors va à l'ombre. Je ne sais pas si c'est un 4e, oui. Il y en a, ils arrivent. Chetley Pontchartrain qui arrive, 4e, ça mérite une belle. Vraiment, il fait une superbe course, à quelques secondes il a explosé. Viens me voir Jean-Pierre, je crois que ça va pas. Est-ce que vous pouvez venir là, sécurité s'il vous plaît? Lep, viens marcher un peu. Il tombe. Appelle les secouristes s'il te plaît, merci. Attends, voilà. Il a explosé, il est 4e. Bravo Jean-Pierre. Ça, oui. Voilà, ça va descendre. Donc, en récupération active, fais gaffe aux pieds, hein, aux cailloux là. Yes, merci les gars. On va descendre, il y en a un. Mais ouais, on va faire la photo. 252. Ah, je sais pas, le 370 peut dépasser le 252. Mais oui, ça serait bien. Allez, on y va. 370, allez, on y va. Thomas, quand même. Allez, Thomas. Allez, Thomas. Allez-y. Après, ça, c'est descendu. Allez, récupération active là. Allez, on compte. Tranquillement. On compte. Allez, Anthony. Allez, ça descend maintenant. Allez, allez tiens lourd. Voilà. Attention, jamais. Ravito est loin ou pas? Alors tu as un poste de secours juste là, à 300 mètres, et en redescendant tu devrais avoir quelque chose. Si les mecs n'ont pas tout vu. Parce qu'il y en a qui sont arrivés un peu. Les premiers sont arrivés un peu. Ouais, pour ça. Ouais. Je dois avoir du sel sur soi. Mais du sel. Du sel. Vous avez ça? Ouais, ah ouais. Ah, on a tout ici, hein? C'est bon. Ah oui. Merci. Ok, merci. Je vais écouter un peu. C'est bien. Ben, pas vraiment affûté, la préparation continue et c'est dommage de m'exprimer et c'est au pour Clément. Mais bon voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, on fait avec. Je vais vous donner pas meilleur. Ceci dit, tu améliores quand même le record aussi quand même, mais il a quand même bien explosé le record. Il a fait 4-15-11 l'année prochaine, c'est ce qu'il a fait. Je sais que tu en es capable, parce que c'est quand même des temps que tu peux descendre. Ben, à ce moment-là, il va falloir que je mette quand même juste objectif et que... La fête, c'est avant. Là. Bon, ben voilà. Alors, on va te donner la médaille de la mythique assurance tout est avec le coach. Bravo, Salva. Et félicitations pour ta performance. C'est moi qui vous remercie avec tous mes sponsors et avec tous les sportifs qui ont dédié aussi que vous connaissez. Et qui ont dit mes entraîneurs. Téléphone. Ah non, téléphone, pardon pas. Et puis, on va dire, on va faire un peu.
Prochain rendez-vous, donc ça sera le 13 mars. Why? Là, ça va descendre. Oui. Allez. Ouf. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah ouais, d'être un peu à la place. Ah, c'est magnifique, hein. Ouais. Allez, laissez, laissez. Là, la Alex, oui. Mets-toi dedans. Oui, voilà. Bravo Jean-Pierre, reste avec moi. On va te remettre ta médaille finisher. De la mythique. Belle médaille, bien méritée. On les applaudit bien fort. Alors, belle course. À quelques secondes de Stade, Willy. Oui, très très belle course, quoi. Donc je remercie déjà le club Champion. Et puis je remercie aussi les coachs qui m'entraînent, Fred, Benoît et puis Lucé. Donc vraiment super, une très très belle course aujourd'hui. Bravo à toi, mais vraiment tu as une belle progression, c'est vraiment extraordinaire. Exact. Et puis sais-tu que la mythique fait par les labels régionaux, donc aujourd'hui c'est une étape du championnat de Martinique de Trail. Ah oui. Donc on a déjà le champion, donc il y en a quand même une belle étape avec Clément. Mais toi tu es super bien placé aussi parce que tu arrives à quelques secondes. Le challenge continue, il y a le Tchébéret, il y a d'autres courses. Donc il faut rester positionné pour pouvoir être sur le podium du championnat de Martinique. En tout cas, on va finir parmi les 5 premiers. Fredo, Tchébéret, hey, nous mettons les lunettes noires. Bonjour. Hey. Hello. Tiens dur. Yes. Ah bon? Elle était excellente! Ah, ça se voit, hein? Toujours! Ça se voit que tu as toujours place. Magnifique, c'est toujours magnifique! Allez, venez Junior. Nombreux! Venez nombreux! Allez, Junior! Venez. Yes! Allez, Junior! Arrivé au retour un peu mouvementé quand même à bord de l'aïeul parce qu'il y avait du vent sur le retour. Mais bon, belle organisation, auto-congratulations au club Tchébéret en tout cas sur le retour à l'aïeul, déjà au petit honneur. Il y a quelqu'un, il faut sortir. Il faut sortir le véhicule s'il vous plaît de l'entrée, merci. Ah tiens, oui. Il m'a fait peur. Et attention. Ce n'était que la casquette. Eh ouais, il faut se décoiffer pour la grande dame. Hein. Allez. Vous êtes sur une mission là, 2207. 2207, top sec, camoufle. T'as du camouflage, hein. Hey. Tiens, okay, vous avez vu que j'ai pris une position honorable pour vous. Ok. Vous avez vu ça? Mais on l'applaudit bien fort, Fred Trama, c'était le vainqueur de l'édition 2015. On l'applaudit bien fort. Fred, le grand champion, il était vainqueur du Challenge Epidemon en 2014-2015. Il est suivi de quelques secondes par Christelle qui arrive, qui explose le coup. Oh non, Christelle, viens le voir. Fred aussi, Fredo. Je demande les détails. Fredo, Fred. S'il te plaît, alors Christelle, tu arrives le sourire aux lèvres. Ouais, parce que je crois que j'ai un bon temps de scratch. Tu as un super temps. Ok, alors Olivier va me le donner tout de suite. On a aussi alors un grand champion aussi, on l'applaudit aussi. Karine. Grégory, alors Grégory, bravo, reste avec nous aussi. Alors j'étais Roche Christelle, ensuite Fred vient dans le rejoindre. Et puis Jules, on va leur donner leur médaille. Eh ben écoute, c'est encore une course magnifique, il a fait un temps super beau. Moi j'ai un peu peiné sur la pelée, j'ai l'impression que je ne pensais pas, mais en fait c'était vraiment pareil, donc là c'est vraiment dans la tête là. Ouais. Mais c'était en plus, c'est un peu particulier pour moi cette année, parce que c'est mes dernières courses.
nos cœurs. Oui. Un peu nostalgique. Oui, tu me l'as dit, parce que c'est la dernière mythique en et tout oui, cas. Voilà. Voilà. Vini premier, elle est sixième au scratch. Parce qu'elle retourne, on va te passer ta médaille, finisher, sur cette troisième édition. On l'applaudit bien fort, c'est la première. Alors, Christelle, tu sais que tu finis championne de Martinique du trail parce que ça faisait partie du challenge. On est label régional, la mythique fait partie du label, on est labellisé régional. Tu fais partie des championnats, donc tu es championne de Martinique du trail. Donc on l'applaudit bien fort. Merci beaucoup. Et ça le mérite bien parce qu'elle a explosé c'est le challenge. C'est voilà. Super, ouais. Bravo, en tout cas c'est une superbe cause. Alors dis-nous quand même quelques mots parce qu'on sait que tu ne seras plus avec nous. Mais vraiment on est content. Attends, j'ai encore le chambé, hein. J'en ai encore quelques-unes à faire. Mais j'ai commencé ici, tu vois, par la mythique yole. Oui. Et petit à petit, c'est devenu une passion et j'adore ça, quoi. Puis c'est vraiment cette course-là, c'est vraiment une très très jolie course. Ça montre vraiment la Martinique, c'est vraiment magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Bravo Christelle, on applaudit bien fort Frédéric Parras qui nous fait être invité dans le premier, ça c'est super. Il aurait bien été juste derrière Thierry, il est arrivé à 2 ou 3 jours de métropole. Il a fait le déplacement spécifiquement pour faire cette course. On va lui donner sa médaille, Jules. Et Fred Kramer, je l'attends toujours parce que c'est un grand champion Fred. Je sais qu'il doit être un peu déçu, mais bon, je pense qu'il n'a pas rougi. Tu veux de l'eau. Alors Fred, Michel, belle course pour toi. J'ai déposé la stop. Oui, disons que j'ai géré avec la femme du jour. Je suis parti moins vite que l'année dernière. Et puis l'appeler bon, toujours aussi dur quand même, mais j'ai géré, et puis bien la fin, dur quand même. Bravo en tout cas pour ta performance, Fred, c'est génial. On va demander à Fred Drama, alors, Grégory, Greg, alors. Ça a été, c'est dur. Ça va, je me sens bien, donc ça se passe bien. Et merci à Arnaud hein, qui va s'entraîner, donc merci à lui pour la progression. Alors, Amand, il est où? Bon, il est pas là. Bon, en tout cas, bravo à toi, Greg. Bravo, et puis, à bientôt. S'il te plaît, toujours les bas. Mathias, 16. Alors, Mathias. 16. Belle course, les gars. C'est dur, hein. C'est ta première édition ? Deuxième édition, mais c'est une belle place quand même. Combien ? Tu dois être... Olivier, on est à combien maintenant ? 9 ? 8e ? Tu veux prendre en photo avec ton dossard ? Attends, Olivier, à gauche. au moins ça quand même. Là. Ça fait. Yes, allez, tchébé. Yes. Ok. Il est imagé. Oui, donc Lima Fox, est-ce que tu m'entends là? Ok, mais il n'y a pas de problème. Donc il fait beau là-haut. C'est très 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 dégagé. À manger hein ah ouais excusez-moi tu veux d'une banane c'est bon ok non pas n'hésite pas comment c'est bien là c'est pour vraiment de lui quoi ah bon. Pourquoi il fait quand même? Hein? Pourquoi il fait? Non, viens arrêter là, viens arrêter. Non, pas de ça. Qui nous fait dixième cette fois-ci. Dixième.
Superbe course pour toi. C'était ta première. Oui. Alors, c'est cool, hein. 10e place. C'est extraordinaire, c'est super. Merci. Je peux rien. C'est moi qui Allez, bon, allez, il va demander un peu de répit. En tout cas, merci. Bravo pour toi. Félicitations pour ta course. Béatrice, donc, de Saint-Morizon. Hop là. Hop. Bah l'impression qu'on est qu'il fait un moment que tu es tombé. Quoi ça? Allez, tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Youh! Allô, ne lâche pas. Hey, wow. Ou pas quoi ça c'est là? Non, on va pas trouver. Allez quand même. Oh. Allez. Ah mais c'est bien. Ah Sylvain, on va faire la fête, hein. Très bien, bravo. Team Babylon. Yo. Allez. Chérie, c'est bien. Merci, merci. Allez, à tout à l'heure, oui. Il y a vraiment mis ton belle fleur là-bas. Ah, merci. Okay. Et après ton repas. D'accord. Super, mais évidemment. Difficile tout frais. C'est bien. Allez, c'est marché, ouais. Grosse chance avec la météo. Parce que vous avez payé sur les chers, mais en tout cas, c'est que du bonus, parce qu'il fait vraiment chaud. Bravo à toi, Yolène. On te passe la médaille. Adia, la complot? Ah ouais. Ouais, pas gourmet, bien. Salut. Salut, ça va? Bon. Il y a mieux. Ouais. C'est plus cher. Ouais, ouais. Et c'est plus dur. Alors, ça tient, Johan.
On essaye, on essaye. Ah ben Johan, regarde, regarde ce que tu peux prendre. Oui. Alors, franchement, c'est super, la coach va être extraordinaire. Elle va être contente. Elle va être contente. Je veux de ça. Et François qui arrive en 13e position, bien génial. François la Maroudeur qui arrive. Super. Ils se sont regroupés. Bravo François, belle course pour toi, 13e position. Alors François. L'année dernière, bonjour à tous et les bénévoles. Fosse, ou Japonette, Baoudanoula. L'année dernière, je pêchais par gourmandise. Cette année, je pêche par friandise. Et puis, mon ami Armand, nous là, chef Baoudet, tout Mouna, toutes les Baoudets, chef Béret, toute bagaille, Europe, international, le monde. Bravo François. Et petit maman est là. Pour tes postes là. Bravo François, viens prendre ta médaille. Bonsoir. Nous sommes à Mon Makouba. Ici à la demande. Oui. Et la mission, c'est quoi? La mission, c'était ils ont allé, ils ont come back. Une brochette. Alors William, mets ton passeur devant s'il te plaît, William. Superbe course pour toi, William. Franchement, 13e place. Mais, ouais, mais c'était chaud. Bravo. Merci. Bravo à toi. Bien, va te donner sa médaille de la boutique. Une belle reprise pour toi, William. On t'attend sur le TV. Ok, pas de problème. Bravo. En préparation. C'est un bon test. Bravo, pour toi. C'est très difficile pour moi parce que avec les problèmes musculaires là, ben, ça va pas du tout. Hein. J'ai pas de plaisir. Ah, alors je souffre beaucoup. Ça c'est compliqué. Ouais. Isner est là. Il n'a pas encore dit le mot. Je sais qu'il a été blessé sur le couteau. C'était la course à Nabab. Tu l'évacues. Donc là-dessus, il faut hydrater, il faut alimenter et entretenir tout cela en permanence. On se fait revenir pour même demander le job là. Problème de cran. Donc quand tu arriveras à Grande Sabane, avant de repartir, tu es glacé. Faut pas pencher. Tu es étouffé là. C'est dur. Hein. Ah ouais, c'est dur aujourd'hui. En plus, je suis pas bien. J'ai un peu mal au ventre. T'as pas dormi au soir? J'ai mal dormi en plus. Ah, t'as pas laissé dormir, c'est ça? C'est ma fille qui m'a laissé dormir. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Ah, il y avait une femme. Ouais, la fille de 3 ans. Allez. C'est Karine qui vient de la Guadeloupe. Karine, bravo, Karine. Parti. Allez, bon courage. Christophe, t'es dur. 120. T'as dit à Bougman? Je suis mandé à Boumanier. Ouais, il va bien. Ah non, plus bas. Après ça, il y a qui descend, qui est né? Où connaître?
Started reading, air.